Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous. Alors, nous allons organiser aujourd'hui un débat autour de la question de l'excellence. Le prétexte, c'est le concours général sénégalais. Donc, euh, l'édition 2024, c'est la 52e édition. J'ai avec moi, autour de moi, un ensemble d'invités, tous de l'éducation nationale, tous de l'éducation. Je vais commencer par vous les présenter. Euh, madame Aïssatou Léna Sen, bonjour madame. Bonjour, ravi de participer à cette émission. Alors, Madame Aïssatou Léna inspectrice générale de l'éducation et de la formation, on l'appelle la doyenne. Elle va nous dire peut-être pourquoi. Donc, à côté, une autre dame, c'est Aminata Djeina, Elle est conseillère de département. Aminata, bonjour. Bonjour, professeur, et merci pour l'invitation. À côté, donc, il y a professeur Djibi sociologue qu'on ne présente plus. Djibi, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Et pour finir, M. Massam Bagheï, qui est docteur en lettres modernes et enseignant, chercheur et conteur aussi. Donc, nous allons parler du concours général, 52e édition, je le rappelle, l'édition 2024. Le concours général a été créé par décret depuis 1961. Bah, si on compte bien, ça aurait dû faire plus de 52 éditions, mais vous comprendrez bien qu'il y a eu des années où il n'y a pas eu de concours général. Donc, euh, le, le Covid est passé par là, mai 68 probablement, et, et bien d'autres événements. En tous les cas, aujourd'hui, en 2024, nous célébrons la 52e édition. Euh, mardi, donc, ce sera le 30 juillet. Le président de la République sera au Grand Théâtre d'Oudunia et Kumbaros. Habituellement, ça se faisait à Sorano, hein, c'était l'époque de Saint-Gorguedjouf, -le, euh, le théâtre Sorano qui vibrait donc, au rythme du concours général, de grands noms d'élèves, dont certains sont aujourd'hui devenus de très grands cadres. Voilà, c'est un peu ça, la petite histoire du concours général. Maintenant, nous allons parler un tout petit peu des résultats du concours général de 2024. Je ne sais pas trop qui va être le président ou la présidente du jury, peut-être Aïssa euh, toulé <laughs> Le concours général de cette année, est-ce qu'il a été satisfaisant Satisfaisant, oui, au sens où nous avons. Je peux pas en parler avec aisance. Je, je préside le jury de la Grande Délibération. Et j'ai la possibilité euh, de voir un tout petit peu quelles ont été les performances des unes et des autres. La cuvée est très bonne. Et euh, on a eu moins de primés que d'habitude, mais il faut faire très attention à la lecture que nous devons en faire. La cuvée est très bonne. Et nous pensons pouvoir, euh, avec des innovations en cours, améliorer ces résultats de manière sensible euh, lors des prochaines éditions. Mais nous sommes satisfaits de ce que nous avons obtenu de cette année. Peut-être que nous aurons le temps d'y revenir et, et de donner ah, voilà. Aminada, voilà Aminada. Ça, vous avez écouté la présidente du jury un tout petit peu, en tout cas pour l'émission. Est-ce euh, que vous aussi vous partagez le sentiment de Madame Lena? Oui, professeur, je le partage, ne serait-ce que pour le nombre de participants, hum. 3000 presque 200. Apprenants, donc dans l'ensemble du Sénégal, ont participé. C'est un motif de satisfaction. Le nombre de distinctions aussi. Ensuite, ce sentiment qu'ont les élèves de s'être surpassés. Leur satisfaction personnelle sont aussi des motifs de satisfaction. Alors, 3 000, 3 000 participants sur à peu près 105. Si on prend que les bacheliers, parce que le concours général, c'est à la fois les classes de première oui, et de exactement. terminale. Si mes souvenirs sont bons, il y avait à peu près 159 000 candidats au bac. C'est pour dire le, le niveau de sélection de ce concours général. Oui, c'est très sélectif, mais cela dépend aussi des processus de présélection dans les académies et dans les, dans les lycées. Donc, euh, ce n'est pas une obligation, mais de plus en plus, il faut faire de sorte que les chefs d'établissement s'inscrivent dans cette perspective d'excellence et créent les conditions d'encadrement pour les, les élèves. Perspective d'excellence et donc, euh, Madame Léna, euh, on sait que ce n'est pas n'importe quel élève des classes de première et terminale qui se présente au concours général. Nous disons concours général, concours d'excellence, donc c'est ceux qui sont hors normes par définition. Uh -huh. Hors normes, nous ne disons pas parfaits, mais ceux qui se sont, sont au-dessus euh, de ceux qui sont excellents dans la salle de classe uh -huh. normale, parce que les standards ne sont pas les mêmes. Avec le concours général, nous pouvons avoir un élève qui a une moyenne en classe de, disons, 14-15 sur 20 et qui n'est pas primé lors du concours général parce que tout simplement, on, la barre est très élevée et donc euh, on s'écarte même un tout petit peu donc, des programmes scolaires. Et on, on, c'est vraiment, euh, non seulement la culture de, de l'apprenant, mais ce sens de la créativité, de, voilà, il y a beaucoup d'autres critères que nous mettons en avant. Il y a bien d'autres critères. Massam Bagué, vous connaissez ces critères. Vous avez certainement proposé plusieurs fois des élèves au concours général. Comment vous percevez ce concours euh, Moi, je le perçois déjà comme une, une émulation. Euh, mmh. Une barre qui permet à l'élève tout le long de ce processus euh, de se mettre en orbite et de se projeter. Euh, je, je, en classe, quand on est dans des situations de discussion avec les élèves, quand on est dans des situations de motivation, euh, on ne les challenge pas par rapport aux autres, mais par rapport à l'excellence du concours. On crée un miroir qui leur permet de se dire si je me projette dans ce miroir, si j'épouse cette lumière, quel aura est-ce que j'amène chez moi dans ma classe, dans mon établissement, dans mon quartier et dans mon pays. Il s'agit donc pour moi d'un concours qui non seulement euh, montre que tel élève a la reconnaissance de ses enseignants, parce que vous êtes choisi par Pardon. des enseignants à partir de critères dont les notes, oui. parce qu'il y a les notes, il y a aussi la disposition à avoir une ouverture d'esprit qui permet de passer de la matière à l'environnement de la matière. Et c'est en cela qu'on parle d'excellence. On ne parle pas de performance, parce que tout le monde peut être compétent à faire, mmh. être performant dans l'exercice d'une action, mais l'excellence allie la performance à l'efficience. Mmh. Et c'est ce type de personnes-là, si on ne les identifie pas dans une classe, parfois ils peuvent être brillants et taiseux. Mmh. 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 Parfois ils peuvent être brillants à la notation. Mais ils n'ont pas les dispositions nécessaires à transcender un sujet, à aller au-delà de ce qui est appris et à se projeter leur personnalité. Et les meilleurs au Concours général, c'est les meilleurs élèves qui sont capables de projeter leur personnalité et de prendre un risque. Parce qu'on ne peut pas être excellent si on ne prend pas le risque de sortir des canons. Et ce processus-là est très, très important pour un enseignant. Alors, donc, Jibi, processus très complexe. La question de l'excellence aussi, on la pose très souvent, ce genre de concours dans certains pays. On a arrêté de faire ce genre de concours dans certains pays parce que pour certains, c'est un peu le culte de l'élitisme. J'imagine que vous n'êtes pas de cet avis. Oui, euh, je, je pense qu'en fait, l'excellence ici est visée, euh, d'abord pour les élèves qui ont été choisis, pour être des candidats. Euh, Léna l'a dit, je crois que euh, Massamba est revenu là-dessus. Euh, c'est aussi le positionnement euh, mmh. sur une échelle de performance qui dépasse les standards ordinaires Totalement. et dans un domaine donné. Mmh. Pourquoi c'est important Parce que globalement, nous sommes dans une société qui vit une crise. Et pour moi, le, la crise la plus profonde, c'est la crise du sens. Mmh. En fait, on a l'impression qu'on qu ne cherche plus le véritable sens des choses. Mmh. Et c'est cette crise du sens... À des manifestations sur le plan sanitaire, sur le plan économique, sur le plan social. social. Mais c'est le sens qui est en crise. Et je crois qu'à partir du moment où on challenge nos jeunes, sur une façon de les préparer, de les muscler, pour parler comme Massamba, à aller dans le sens de cette quête du sens. Alors muscler, c'est muscler leur cerveau, C'est muscler <laughs> le cerveau. Donc, à aller dans la, dans, dans la quête du sens pour saisir le, la véritable nature des choses. Maintenant, quand nous sommes dans une société en crise, une situation des fois plus ou moins problématique, c'est bon que cette société s'arrête le moment d'identifier des, des, des jeunes qui en sont arrivés à un certain niveau d'excellence, d'abord pour les motiver, mais ensuite pour créer de l'émulation. Je crois me que c'est important d'amener les autres, les autres aussi à se dire que nous voulons arriver à ce stade-là. Et à partir de ce moment-là, je crois que c'est une société qui fait cap sur son avenir et qui se dit au fond, si nous voulons régler les problèmes économiques, si nous voulons régler les problèmes environnementaux, si nous voulons régler les problèmes sanitaires, ça passe d'abord et avant tout par une éducation qui met l'accent sur l'excellence. Et c'est cela l'objectif de ce concours en réalité. Euh, c'est surtout euh, au niveau du symbole euh, qu'on qu comprenne, qu'on s'attache à l'excellence, mais ceux-là qui sont primés, qu'ils comprennent en fait. Qu'ils sont, qu sont encore challengés pour le reste de leur vie. Pour le reste, oui. L'idée n'est pas de dire que j'ai je, je, je été primé au concours, donc c'est fini, je suis, je suis dans la crème, je suis star. En fait, l'idée, c'est de se dire, au fond, j'en suis arrivé à ce niveau-là, il faut garder la, 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 la barque, mais il faut continuer à performer. Et que les autres se disent, en fait, nous avons la possibilité d'en arriver à cette échelle. Mais je crois que si une société se dit ça, c'est si une société qui veut résolument aller vers l'excellence dans tous les domaines, que ce soit dans l'agriculture, l'élevage, la pêche. Ici, nous sommes dans le secteur de l'éducation. C'est dire que l'excellence, nous voulons la positionner comme élément qui nous rend compétitifs. Senghor parle de rendez-vous du donné de ressources. Si on doit construire la civilisation universelle, nous avons une contribution à apporter, mais cette contribution, elle doit avoir de la qualité. Et la ah bon. qualité passe par ce concours. En... La recherche de la qualité, donc le culte de l'excellence, Aminata... Euh, je pense que les autorités ont bien compris cela. Et, et de tout temps, c'est le chef de l'État, le président de la République, qui préside euh, cette euh, cérémonie très solennelle. Je pense qu'on est encore dans cette logique. C'est le président Yama Faye qui va passer son premier concours général, passez-moi l'expression. Euh, et, et vous pensez que tout cela participe de la célébration de cette excellence, que le président de la République, le ministre de l'Éducation, il soit là avec ces lauréats et leurs famille. Oui, c'est bien heureux que le président et son équipe soient là pour célébrer ces champions et ses champions. Ils le méritent. Rarement nous célébrons les réussites. Il faut les célébrer. Et nous avons vu que dans ce groupe, il y a des apprenants qui viennent de milieux modestes. Et c'est là tout le sens qu'il faut donner aux réussites dites atypiques ou paradoxales parce que la thèse de la reproduction sociale mmh. professeur Djibi est là c'est les enfants des riches qui réussissent mais aujourd'hui on a vu il y a un renversement de tendance parce que culturellement aussi nos élèves regardent ce qui se passe autour de pas papa situation comment se fait-il que des enfants de de ménagères de parents presque non instruits arrivent à avoir des moyens de 19 de 16 et être primé au concours général, cela nous parle. Parce que l'excellence, c'est un état d'esprit. Ça, il faut le dire. Un état d'esprit, Mazamba, donc, finalement, une reconnaissance. Mais une reconnaissance, une reconnaissance d'abord de, de l'en-soi, une reconnaissance de la communauté, mais une reconnaissance aussi des efforts et un barème qu'on fixe pour les autres. Euh, il ne s'agit pas de lire juste le concours général comme un événement scolaire. C'est un événement miroir, je reviens sur ce terme. Pour le jeune menuisier qui regarde son ami avec qui il a grandi et qui revient auréolé de gloire accompagné par la famille qui se dit lui-même dans cet atelier de menuiserie, je dois sortir aussi des bancs d'excellence. Le jeune euh, mécanicien qui lui aussi à son âge doit regarder cette figure et se dire, même s'il n'y a pas de concours général dans ma catégorie, je dois viser Excellent. cette excellence-là. Parce que j'embarque en même temps des émotions et des sentiments de l'ensemble de ma communauté. Et cet état d'esprit-là, dans notre société traditionnelle, c'est un état d'esprit pour lequel la généalogie existait. C'est pour cet état d'esprit-là que quand vous performiez dans la concession, au champ, Ailleurs, votre maman, vous regardez, votre papa, votre tante paternelle, vous regardez les yeux dans les yeux et vous disiez toute cette généalogie-là qui vous permettrait de relever la tête et d'avoir un marqueur en, de, en deçà duquel vous ne pouviez pas descendre. Vous tant par votre comportement, par votre performance orale que par vos l'élégance de vos de vos attitudes je pense que cet état d'esprit là c'est ça qu'il faut qu'il faut installer je disais souvent que la banlieue est dans la tête je pense que l'excellence aussi c'est dans les têtes qu'il faut définitivement implémenter ce marqueur que chaque élève qui se lève le matin se dise ce jour est un jour de concours général que chaque présence dans une classe pour faire un cours il se projette et se dise c'est un jour de délibération que pour traiter chaque exercice ils se disent c'est un jour de concours général. Il faut que l'excellence soit mise en orbite pour pouvoir agréger autour de cette cérémonie un ensemble de comportements à fixer définitivement sur toutes les sphères et que cela irradie notre environnement social. Alors que chacun donc, soit excellent là où il se trouve et je pense que donc on aura une somme d'excellence pour construire finalement une république de valeur, une république finalement d'excellence. Je pense que chacun est important là où il se trouve. J'ai uh -huh. l'habitude de dire que si vous uh -huh. allez à l'hôpital, le brancardier est avant uh -huh. le médecin, uh -huh. le personnage peut-être le plus uh -huh. utile parce uh -huh. que c'est lui qui vous descend de l'ambulance uh -huh. et qu'il y a une façon de faire, un modus operandi. Uh -huh. Alors, je reviens à Mme Lénassène et aux résultats du concours général. On a dit 3 000 candidats qui ont été présentés, une centaine, 100 lauréats. Donc, euh, mais, mais le concours général, c'est d'abord un choix très sélectif. Je sais que déjà dans les lycées, à l'époque où je m'occupais de ces questions, il fallait 12 de moyenne pour que l'élève puisse prétendre à, faire, à être sélectionné pour faire le concours et pour obtenir des, des prix. Je crois que le premier prix, c'est 16 sur 20 le deuxième prix, 15 le troisième prix 13 et le premier access 12. C'est ça, non si oui, je... C'est ça, c'est le, le deuxième access site 12. 12, le oui. deuxième 12. Oui. Donc finalement, euh, souvent d'ailleurs, je ne sais pas trop si cette année, vous allez nous le dire, si les premiers prix ont été assez souvent décernés pour toutes les disciplines ou s'il y a des, des, ce que je pourrais appeler des lacunes, autrement dit, des premiers prix qui n'ont pas été décernés. Oui, il y a eu des premiers prix qui n'ont pas été décernés. Je peux prendre par exemple euh, ma discipline, de la philosophie. Euh, maintenant, vous savez, pour interpréter les résultats des concours, des évaluations de manière générale, il y a beaucoup de paramètres à convoquer. Oui. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas décerné que les élèves ne sont pas bons dans cette discipline ou ne sont pas dans des performances euh, Madame Aminata Diena, tantôt, a parlé de la sélection et même du moment de la sélection. Ça se fait très tôt. Et du moment du concours. Exactement, exactement. Donc, euh, oui, il y a eu des prix qui n'ont pas été dessinés, mais par contre, dans d'autres disciplines, même le deuxième accessite est au-dessus de 16 sur 20. Même le deuxième accessite est au-dessus de 16 sur 20. Ça veut dire que, euh, euh, bon, tout en temps, j'ai entendu, est-ce que c'est élitiste euh, Il faut qu'on ouvre euh, donc le concept l'excellence ce n'est pas seulement dans la salle de classe à l'école l'excellence c'est un peu partout dans la société okay. je, qui je, pas que je, je <laughs> dois balayer la rue euh, tout est propre tout est net les gens se disent mais qu'est ce qui se passe qui est passé par là c'est à dire quand je suis dans l'excellence, euh, Dibi en a parlé tantôt. Il y a ce qu'on appelle la marge de progrès. Oh. Je recule les limites, je recule les frontières. C'est une quête, c'est une conquête. Permanente. Et donc, une posture mentale. Et partout on a de l'excellence, aujourd'hui nous, nous parlons des Jeux olympiques, il y a ce qu'on appelle un dénominateur commun. Oh. D'abord, euh, cette, euh, cette estime de soi, cette croyance. En ses propres capacités, cet engagement résolu avec beaucoup d'endurance, de persévérance, etc. Donc, il y, y a des paramètres que nous retrouvons dans partout où on peut parler d'excellence. Et aujourd'hui, au sein du ministère de l'Éducation nationale, on a une notion, disons, un concept, un glissement sémantique. Euh, on parlait de système éducatif, on en parle toujours. Mais on y a greffé un concept avec le ministre euh, Girassi société de société éducative. éducative. Société éducative pour montrer qu'en réalité euh, tout milieu est un milieu d'apprentissage d'éducation. On, on, on va arriver à cette euh, société Et donc euh, à la fin, euh, euh, les résultats en termes euh, de, de, de euh, du concours général, c'est pas seulement un apprenant qui est là y a dans la tête des connaissances, des savoirs, il y a autre chose. Derrière, il y a l'éthique, il y a d'autres valeurs qui sont convoquées. Et c'est ce tout maintenant qui nous permet de dire véritablement que celui-là, il est excellent. Qu'importe le domaine. Hein, qu'importe le domaine. D'accord. Ce de... Donc c'est qu'importe le domaine, mm -hmm. euh, celui-là, il est excellent. Mm. c'est pas du bourrage de crâne, mm. c'est pas du bachotage. Non, pas non. du tout, professeur. Donc c'est l'école qui une a une compétition entre élèves qui ont appris oui. les mêmes programmes. Pour montrer que notre système éducatif est résilient, que nous avons des enseignants qui de qualité, de qualité. et c'est le lieu de non seulement de les féliciter mais de les encourager, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'effet maître. Les enseignants ont cette capacité de changer positivement le rapport au savoir de l'apprenant. Toutes ces filles, tous ces élèves garçons que nous allons célébrer mardi, c'est parce qu'ils ont eu du plaisir à apprendre. Quelque part, un des enseignants a eu à les engager dans l'effort permanent, mais en, les, en modifiant leur rapport au savoir. Et donc, c'est l'ensemble de ces efforts en classe, dans le quartier, au foyer, avec l'accompagnement des parents, qu'ils ont réussi. Et donc, ce parcours excellent. Oui, donc un parcours excellent qu'on va célébrer. Et je rappelle mm -hmm. que le parrain d'ailleurs de cette cérémonie, c'est le professeur Mamadou Sangare. c'est bien ça, Doyen Donc, euh, qui est professeur des universités de rang euh, de classe magistrale, en fait de rang magistral, comme on dit dans les universités, donc euh, Professeur Mamadou Sangare, qui a dirigé beaucoup de choses, l'IRMPT, par exemple, l'Institut de recherche en mathématiques et en physique, un vieil institut d'ailleurs qui se trouve derrière la faculté des sciences, que peu de gens voient. Donc, euh, mais il ne faudrait pas se détourner, il euh, ne faut pas détourner son regard des mathématiques et des sciences. Ça, ça m'amène à, à parler un tout petit peu de la deuxième partie de cette émission, euh, à savoir, euh, mais avant d'arriver à ça, je voudrais revenir à, 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 à l'ENA. Est-ce qu'on peut avoir un peu, euh, si vous voulez, les effectifs garçons et filles Est-ce que les garçons ont été moins brillants que les filles, etc. En termes d'effectifs de pourcentage, combien de filles il y a et combien de garçons il y a pour les nominer au concours général de cette année On va être très rapide. Euh, je n'ai pas les statistiques en, en tête, mmh. mais je sais que les filles ont eu vraiment... Voilà, elles, elles se sont très bien débrouillées il y a eu euh, quand même euh, de, de, allez de on va le dire on va le dire doucement elles sont devant oui elles oui. sont devant Bon, maintenant, maintenant moi je suis quand euh, vous savez il faut toujours euh, relativiser cette... encore non je choses. dis elles, elles, elles sont là elles s'imposent elles, hein, elles sont brillantes donc euh, ça c'est une petite parenthèse, mais quand même, euh, la dragée est haute, comme on dit. Euh, mais je n'aime pas trop tragiote. parler au hasard, euh, je n'ai plus les, les, oui, les données Aminata, statistiques. Vous avez quelques chiffres Pardon. en tête hmm. Malheureusement. Non, alors je pense que pour moi, ce que j'ai vu, hein, c'est sur les documents officiels, il y a à peu près 53% de, garces, de, filles, mmh. de filles, autant pour moi, de filles, et 47% donc de garçons. Oui, pourquoi et ça se tient monde. à peu près, c'est à peu près ça. Mmh. Donc, euh, nous allons donc parler un tout petit peu, Jibi, euh, euh, quel est le diagnostic que vous faites de l'école sénégalaise aujourd'hui en 2024 mmh. Oui, euh, je, je crois que nous, nous pouvons dire que le, notre école se bat malgré toutes les difficultés euh, auxquelles elle doit faire face au quotidien. On, on le sait, évidemment, nous avons beaucoup de problèmes. Mais euh, l'école se bat avec les moyens du bord. Euh, et et c'est important d'ailleurs avec ce concours général-là, avec ce qui s'est passé avec le baccalauréat, le brevet, de voir que malgré toutes les difficultés, nous avons les acteurs de l'école euh, qui, qui, qui se battent. Quand je parle des acteurs, c'est les enseignants, c'est les élèves, c'est les parents d'élèves, c'est tous les acteurs qui gravitent autour de l'école. Et qu'on considère que l'école n'est pas l'école des, des enseignants et des élèves, c'est l'école de la communauté. C'est l'école de la République. De la République. Et, et là, moi je crois qu'un élément important aussi pour cette école, c'est de s'attacher à l'excellence. Et, et c'est cela, en fait, se dire qu'au fond, euh, le moment d'un concours général et d'une cérémonie euh, présidée par le président de la République, avec toute la solennité qui l'accompagne, que cette société se dise, nous sommes en train de célébrer. Certains d'entre nous qui en sont arrivés à un niveau de performance important. Pourquoi je le dis Parce qu'en fait, de façon habituelle, ce que nous voyons dans notre société, c'est une lutte à mort des consciences pour la reconnaissance. Mmh. Chacun veut montrer qu'il est plus important que les autres. Mmh. Et quand je dis que Diana est bien, il me dit Non, tu ne la connais pas, elle ne sait rien. Mmh. C'est une tricheuse. Mmh. Quand je dis que euh, Omar est bon, Mmh. Euh, bon prof, les connus, on a été ensemble saint salut. Mmh. On dit, non mais toi, tu ne le connais pas, etc. En fait, on a l'impression qu'il y a les égaux ici qui sont en conflit, et, mmh. et pour des choses qui ne sont pas importantes. Et cette guerre des égaux, on la retrouve partout, mmh. dans les organisations, dans les entreprises, dans les écoles aussi. Mmh. Et des fois, même dans certains lieux de culte, on peut retrouver cette guerre des, des égaux. Pour une fois, au moins, que la société s'arrête pour dire qu'il y a nos enfants. Nos neveux, nos nièces, qui ont produit quelque chose d'important et sur qui on peut compter. Et donc, à partir de ce moment-là, je crois, et c'est un élément qui me semble important, qu'il y ait une unité nationale autour, mmh, de, autour de ces mmh. enfants, autour de ces crèmes, que nous avons le devoir d'accompagner pour amener notre société à un certain niveau de développement. Parce que le développement, ça passe d'abord par le capital humain. Mmh. Les Arabes disent que la différence. Entre le jardin et le désert, ce n'est pas l'eau, mais c'est l'homme. C'est l'homme. Et de ce point de vue-là, je crois que c'est important d'avoir des hommes de qualité qui puissent nous permettre d'en arriver à un certain niveau de développement. Et je crois que ces enfants-là, et, et ça, ça revient à cette question, c'est l'école qui a produit tout ça. C'est les enseignants dans des conditions excessivement difficiles. Et je crois que Bléna ou Diana en parlera. Euh, il y a des, des efforts qui sont en train d'être faits il y a un dispositif qui est en train d'être mis en place. Pour que les enseignants soient dans de très bonnes conditions de performance, elle a ah. parlé tout à l'heure de fenêtres. Mm -hmm. Pour que les enseignants soient dans de bonnes conditions de performance, mm -hmm. que les élèves soient dans de très bonnes conditions de performance mm -hmm. et que l'école puisse retrouver son lustre d'antan, c'est parfaitement possible. Je crois que ça, c'est à notre portée et que l'on comprenne en fait que si nous voulons développer ce pays-là, nous devons beaucoup miser sur l'école, nous devons mm -hmm. beaucoup miser sur la formation. Mm -hmm. Massamba, vous, vous rappelez de Danton qui disait que. Après le pain, l'éducation, c'est le premier besoin d'une société, en tout cas d'un homme. C'est toujours valable. Après le pain Après le pain. Mais c'est toujours valable parce que... Euh, parce qu'il faut le... se nourrir après ouais, le ouais, pain, l'éducation. Il faut, il, faut il, il faut se nourrir c est, c est, et, et cette image est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on ne mange pas pour être en perspective d'autre chose que d'acquérir les moyens de, 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 de permettre à la communauté de continuer. Parce qu'on ne construit pas une communauté sans savoir. Et on ne construit pas une communauté sans préparer euh, les enfants à se mettre dans la tête que par le savoir, on acquiert tous les possibles. Si on n'a pas un savoir, si on n'est pas compétent, si on n'atteint pas des performances, quoi qu'on fasse, ce pain, on l'a mangé pour rien. Et. Dans Masalik El-Dinan, Touba rappelle effectivement que de ce dont la nature, Dieu a don, doté l'homme, ce qu'il y a de plus précis, c'est le temps à quoi il faut le consacrer. La première chose à laquelle il faut consacrer son temps, c'est l'acquisition d'un savoir licite utilisé à la dévotion, mais à rendre l'environnement humain paisible. Notre vocation sur terre est une vocation sociale. Nous devons créer les conditions pour que notre communauté soit apaisée par nous-mêmes. Quelle paix pouvons-nous avoir pour une communauté que de voir des enfants disposés à aller vers le savoir, à conquérir le savoir, à surmonter des épreuves intellectuelles et à être célébrés Soit on célèbre l'intellect, soit on célèbre le muscle. Et le muscle a célébré le... Le plus puissant qu'il faut célébrer, c'est le, le, mus le muscle cérébral. Et je pense que c'est vers ce symbolique-là qu'il faut aller. Nous sommes dans une société où l'avoir commence à s'installer comme baromètre d'excellence. Mm -hmm. Le critère d'excellence, c'est combien tu as en banque, combien tu as de, 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 de galons, combien tu as garé de voitures. Aujourd'hui, des enfants sortiront de maisons peut-être sans électricité, des parents passeront peut-être la nuit avec des enfants sans... Mais le matin, ils iront voir leurs, leurs enfants au rendez-vous de la première personnalité de l'État dans une salle configurée pour des gens qui ont suffisamment d'argent. Mais leur enfant y sera la vedette et toute la nation verra cet enfant-là porter un destin familial. Est-ce que ses parents vont regretter le pain qu'ils ont donné à leur à leurs enfant Est-ce que ses parents vont regretter les sacrifices qu'ils ont consentis pour cet enfant-là est-ce que la motivation que cet enfant recevra ce jour-là pourra être quantifiée Personne ne peut quantifier cette motivation-là. Et c'est pourquoi je pense que parfaitement, le savoir, le savoir doit revenir à sa place dans ce pays-là. Et le savoir licite, celui qu'on acquiert par apprentissage, mais aussi par mise en, mise en situation des dons qu'on a. Il y a des enfants qui sont naturellement talentueux, mais que la société perd parce qu'on ne crée pas les conditions d'identification de ces, de ces, de ces dispositions-là pour les encourager à continuer. Et vous savez, les ONF disent, euh, quoi qu'il en, qu en soit, celui qui cultive dans le champ est responsable de ce qu'il fait. Mais celui qui passe derrière et qui l'encourage à cultiver peut le motiver à ne pas descendre assez tôt. Et je pense qu'il s'agit de ça, oui. Je suis convaincu qu'il faut du pain pour nos enfants. Mais le pain béni de nos enfants, ce sera le savoir. Alors, le savoir, Jibi, je, je, vais, je vais vous taquiner un tout petit peu. Aujourd'hui, les moyens d'acquisition du savoir sont multiples. Hein. Je prends simplement les nouvelles technologies, le téléphone portable, on a vu avec le baccalauréat, comme disait Matjamba, un peu, tout dépend aussi de ce qu'on en fait. Aujourd'hui, on peut dire qu'il est beaucoup plus facile d'acquérir certains savoirs. Euh, comme, quelle perception vous avez de ces nouvelles technologies, elles ne sont, sont plus si nouvelles que ça, mais de ces technologies de l'information et de la communication qui nous ouvrent les bibliothèques du monde entier finalement Oui, je, je crois qu'il faut un mode d'emploi euh, que nous donnons à nos jeunes euh, pour pouvoir utiliser de façon convenable ces, ces outils. Parce qu'en réalité, c'est des outils qui peuvent être bons, qui peuvent être mauvais, tout dépend de l'usage qu'on a fait. Ouais. Euh, et donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est un problème mondial. Hein. Ces nouvelles technologies posent un problème mondial, en réalité. Et il faudrait que les sociétés puissent se positionner par rapport à ce problème. Nous, ce que nous pouvons faire, c'est une éducation à l'usage de ces technologies. À l'intérieur du noyau familial, pas seulement à l'école, hein. ça engage la responsabilité de plusieurs familles d'acteurs. Nous, nous, nous avons la famille, nous avons les communautés, évidemment, nous avons l'école. Donc, je crois que c'est plusieurs familles d'acteurs qui doivent travailler dans le sens d'amener nos jeunes à faire bon usage bons usages de ces outils. Euh, Qu'est-ce qui se passe Vous allez aujourd'hui en Chine, les gens utilisent TikTok, TikTok. mais c'est pour présenter une entreprise, c'est mmh. pour communiquer, c'est pour se positionner dans le domaine de l'entrepreneuriat, etc. Chez nous, nous utilisons TikTok pourquoi prioritairement oh. On se rend compte qu'on l'utilise à, à d'autres fins. Oui. Et donc, de ce point de vue-là, tout dépend de l'usage, il me semble. Et cet usage-là, il doit faire l'objet d'un accompagnement. C'est pourquoi je parlais d'une posologie, d'un mode d'emploi de ces outils technologiques, mm. et que toutes les familles d'acteurs soient concernées. Maintenant, l'école peut être considérée comme l'institution qui est au centre de tout ça. Et donc, ça demande aux acteurs de l'école de bien se préparer comme tel et d'aider évidemment les jeunes euh, à être des relais au niveau de leur communauté. Les jeunes peuvent demander, peuvent aider leurs parents, parce que je dis, hein, c'est un problème qui se pose au niveau de nos familles, hein, euh, qui crée de sérieux problèmes au niveau de nos familles. Si nous préparons bien nos jeunes au niveau de l'école, retourner dans leur famille, ils vont jouer le rôle de relais et aider la communauté à entretenir de bonnes relations avec un outil technologique. Ce n'est pas seulement le téléphone. Hein. Avec beaucoup d'outils technologiques, nous avons des problèmes de lien, c'est-à-dire comment nous les utilisons, comment nous mettons ces outils à nos services mais qu'on arrête d'être au service de ces outils. Beaucoup d'entre nous ont des problèmes pour se réveiller sans le réveil monde. Et ça c'est un problème, ça veut dire que nous dépendons du réveil monde. Léna, donc euh, qu'est-ce que vous en pensez à l'heure de l'intelligence justement artificielle Intelligence artificielle qui, dans la révision déjà voilà, qu'on va entamer dans nos curricula, euh, euh, sera un structurant. Est-ce qu'au 21e siècle, on ne peut pas en faire l'économie C'est très clair, il faut y aller. Maintenant, un usage responsable. L'Internet, voilà, il faut qu'on qu en fasse un usage responsable. Et au sein du ministère de l'Éducation nationale, nous avons déjà anticipé. Il y a des formations, des modules qui ont été produits, il y a tout un travail d'accompagnement. Mais comme euh, Gibi l'a dit, l'école c'est une micro-société, les problèmes de l'école sont les problèmes de la société. Et donc euh, il faudrait qu'au sein des familles, donc cette éducation parentale, etc., c'est tous les acteurs unis, réunis autour de ce même objectif euh, euh, qu'il faut avoir. Parce que. Euh, je, je prends les examens. Dernièrement, des élèves ont été sanctionnés parce que tout simplement, ils ont utilisé, voilà, le téléphone portable. Euh, la, la, la calculatrice euh, simple, ordinaire, et autorisée. Euh, est autorisée. Maintenant, est-ce qu'il faut utiliser euh, des smartphones beaucoup plus sophistiqués Ça, c'est une réflexion que nous devons mener. C'est très clair aujourd'hui avec euh, l'intelligence artificielle ChatGPT etc les élèves euh, ont du mal à résister et c'est à nous de prendre en charge cette dimension et de repenser euh, tout le dispositif même comment évaluer aujourd'hui dans la classe du 21e siècle dans l'école du 21e siècle. C'est très important. Que... Et la réflexion est en la, cours. Oui, clairement, nous, la réflexion voilà, est en Nous allons y aller tous ensemble et vous, vous allez jouer exactement. Donc, oui, euh, la, la réflexion rôle. va se poursuivre. Voilà, ce n'est pas l'affaire d'une journée ou d'un du secteur. Du ça ne peut pas être que l'affaire... Mais il faut y aller résolument chose. en encadrant. Il faut accompagner, encadrer. Mais on ne peut plus en faire l'économie. Et oui. que, ouais. que ce soit équitable. Ouais. Tu veux ajouter quelque chose Oui je pense que sur les ressources numériques sur l'intelligence artificielle déjà c'est dans la vision de monsieur le ministre mm -hmm. mais que ça soit l'utilisation du numérique de l'intelligence artificielle adossée à un socle de valeurs endogènes nationales spirituelles africaines. Donc ça c'est extrêmement important comme madame la l'a déjà dit nous sommes sur le numérique depuis parce qu'à un certain moment il y avait un déficit par exemple de professeurs de mathématiques de sciences, Ici. de SVT, il a fallu qu'on utilise des mallettes pédagogiques et des ressources numériques oui. pour assurer l'équité et permettre aux enseignants qui sont dans les périphéries de pouvoir donc avoir le même niveau de connaissance que les autres. Nous avons aussi au ministère de l'Éducation nationale un système d'information qui permet l'utilisation de ressources numériques. C'est le CIMEN devenu DEPETIC. La division de la promotion des technologies pour un peu insister sur le numérique éducatif, qui a été très utile pour le système éducatif lors de la COVID Absolument. 2020. Et ça a boosté les élèves qui ont eu du plaisir à, à utiliser donc, euh, ces ressources nouvelles. Et comme l'ont dit les autres, il faut encadrer, encadrer et montrer aux, aux apprenants... Que... en faire bon usage, oui. comme, comme disait Gibi, et, et pour euh, reprendre euh, Mme Sen. Oui. On ne peut pas faire aujourd'hui, dans ce 21e siècle, l'économie du numérique. Donc, euh, et c'est clair que le numérique est entré, euh, peut-être subrepticement, mais il est là, c'est une réalité. Et je pense que si on en fait bon usage, on peut en tirer grand, grand fait. profit. Alors, Massamba, on a souvent dit que l'école était malade. Euh, D'ailleurs, à l'université, on va, on va rattraper tout le... Tout le toute la problématique aujourd'hui, c'est de rattraper le glissement d'une année ou de plusieurs années sur, euh, sur l'autre. Donc finalement, aujourd'hui, oh, c'est vrai, le concours général, c'est un moment de respiration de cette école où on va célébrer les meilleurs, ce que l'école produit de meilleur en tout cas. Et, mais pour autant, l'école sénégalaise a des points faibles. Aujourd'hui, quels seraient euh, les quelques points faibles que vous pourriez un tout petit peu euh, dire aux gens euh, pour moi, il y, a, il, y a, il y a un axe vraiment sur lequel il faut qu'on repose une grosse base de notre réflexion. C'est le rapport, le rapport au résultat. On envoie nos enfants à l'école, pourquoi On les y envoie pour chercher un diplôme, être riche, avoir un travail, nous envoyer à la Mecque ou à Rome Ou est-ce qu'on les, on les y envoie pour avoir les compétences nécessaires à s'adapter au monde, à être autonome très tôt et à être au service positif d'une communauté. Ce projet-là, si nous ne l'avons pas, si l'école ne peut pas nous dire au bout du processus quelle éducation culturelle mettre dedans, quelle éducation scientifique mettre dedans, pour que l'élève, à partir de la quatrième année, puisse avoir une base de compétences suffisante et se relancer et se projeter au-delà de la dernière étape, nous aurons des problèmes. Et cela passe par l'acquisition de l'autonomie en lecture et en mathématiques assez rapidement. Tout à fait. De l'autonomie en gestion des outils numériques très tôt. De l'autonomie en compétences sociales et de la découverte sociologique. Il ne faut plus que nos élèves attendent d'avoir le bac pour changer de région. Il faut que dans le programme péripédagogique, nos enfants, très tôt, de, du FUTA, puissent découvrir la Casamance assez tôt. Que sur les sites des mémoires, les sites des mémoires, on puisse dessiner un ensemble d'étapes quasi obligatoires que les élèves doivent découvrir avant d'avoir le bac. Et d'ailleurs, ça, le numérique... Le, le, le numérique peut le, le faire. faire. Ça peut être un voyage virtuel, ça peut être aussi des voyages physique de temps en temps et c'est là où il y a où notre école doit prendre une révolution la compétition s'est désintégrée au parcelles à où j'étais entre le savoir et l'avoir quand un certain type de sport a fait des riches mmh. mes élèves qui accompagnaient ces, ces gens, -là, gens -là, là se sont subitement posé la question qu'est ce que je fais dans l'école quand tout tout est toute adulation toutes toutes tout les, les, les caméras sont braqués vers ceux qui produisent des millions en un dimanche après-midi. Il faut que notre école parfois, rassure. Parfois, enseignants, parfois. Exactement. Et il faut que notre école euh, revienne à ce que euh, li, la doyenne de l'IGN a expérimenté juste après le Covid, à produire des contenus euh, liés au patrimoine pour que les élèves, dès la première étape en classe avec les enseignants, puissent être en connexion avec des contenus endogènes. En 2009-2010, j'ai eu la chance, de, au niveau national et sous-régional, de coordonner un projet innovant qui était la collecte des éléments du patrimoine pour enseigner toutes les matières. Il y avait une connexion entre le ministère de la Culture, du Sénégal, du cap la Guinée-Bissau, de l'Angola, du Mozambique et de RD Congo. Ces manuels-là que nous avons expérimentés sont aujourd'hui disponibles en ligne. L'enseignement du patrimoine, du préscolaire à l'université, Aujourd'hui, nous disposons de documents que nous avons construits et qui ont été validés par le FASTEF. Mais ces documents, il faut qu'on arrête de, 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 de penser que l'école, c'est un lieu où on n'acquiert que des compétences cognitives. L'école sénégalaise n'a jamais été envisagée dans cette perspective-là. Il faut que l'école puisse permettre à l'élève, avant d'aller à l'université, d'être capable de changer une douille de lampe à la maison. Que l'élève puisse être capable avant d'avoir le bac de se mettre en perspective et de comprendre ne serait-ce que les saisons, de, les, les floraisons et les, les saisons des fruits. Presque le un élève peut arriver jusqu'en jusqu troisième sans être capable de te dire quelle est la saison des manques, quelle est la saison. Il ne peut pas vous dire comment une projection orthogonale peut définir une, une, une douche ou le circuit d'eau. Il, il nous faut vraiment une école centrée sur l'humain, mais qui permette au bout du compte de n'avoir pas des automates capables des rép... de répéter des résultats, mais capables de concevoir le monde par eux-mêmes et de l'identifier. Sinon, qu'est-ce qui va arriver Nous aurons des répétiteurs de slogans embarqués par n'importe quelle quel, quel, quel campagne et qui, à la fin de l'année, vont déchirer leurs cahiers vont brûler le, 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 les tables oui. vont frapper les le Alors... enseignants. Pourquoi parce qu'on leur a dit, on vous envoie à l'école pour, pour nous débarrasser de vous. L'école donc doit amortir cette frustration-là et créer une, une orbite. Mais comment est-ce qu'on peut aujourd'hui imaginer des élèves qui jusqu'en CM2 ont des difficultés de lecture Comment est-ce qu'on peut imaginer des élèves qui jusqu'en CM2 sont incapables de te faire un petit calcul Elle a dit, toutes cette tentatives de tricherie viennent du fait que les gens pensent que ce qui importe, c'est d'avoir un diplôme. Oui, tout à fait. Donc, je pense que c'est des, des questionnements qui sont réels, hein, qu'il faudrait se poser. Mais, mais je voudrais venir à Léna pour lui demander, finalement, Bon, on fait aussi un autre reproche à l'école sénégalaise, c'est de dire que pour l'orientation des élèves, il y a plus de bacheliers littéraires que de bacheliers scientifiques. Donc, je pense que. Qu'est-ce que vous, vous pensez de ce débat Est-ce que c'est un vrai ou un faux débat Les chiffres sont là et qui parlent. Ça c'est de l'ordre du factuel. Nous le constatons, c'est ça la réalité aujourd'hui. Maintenant, euh, il y a, c'est pourquoi je vous dis toujours sur ces questions, on a beaucoup de représentations. Hein. Euh, chacun y va de sa propre compréhension. Mais euh, c'est pourquoi il est devenu urgent, et pas plus tard qu'hier, euh, M. le ministre de l'Éducation disait il nous faut maintenant plonger, démarrer et que nous puissions lancer cette révision des curriculats. Mmh. Au cœur de la révision des curriculats, il y a un élément extrêmement important ce sont les programmes scolaires. Euh, nous allons maintenant, pour faire cette révision, procéder à un état des lieux, un diagnostic. diagnostic. Et c'est ça qui va nous permettre de voir est-ce que euh, voilà ces représentations collent avec la réalité? pour revenir à votre question, beaucoup plus de littéraires euh, que de scientifiques. Euh, pendant très longtemps, il y a eu ce mythe autour de la science. aujourd'hui, nous comprenons qu'on n'est pas scientifique pour parodier. Voilà, on, on le devient. On le devient. <laughs> et euh, je crois que euh, nous sommes déjà sur la bonne voie parce qu'il y a eu de très bonnes expériences qui ont été menées au sein du ministère de l'Éducation et même dans d'autres espaces. Au moment de la révision, nous allons les capitaliser. Ça, c'est pour une inflexion vers euh, les sciences. Mais une chose est certaine, euh, l'école, c'est d'abord pour l'éducation. Nous devons éduquer, c'est le façonnage de l'humain. Et quand on dit l'humain, euh, euh, il y a toujours euh, certes des connaissances académiques et tout, mais il y a également ce socle de valeur. Et on nous dit socle de valeur endogène. Endogène parce que c'est une question d'identité. J'ai des problèmes en mathématiques parce qu'on me dit bon, 1 plus 1 plus 3 plus etc. X. Mais si on a un si on a si on a on a Du donc l'introduction des langues nationales, pour aider, pour aider, parce que euh, quand on dit catégorie de langue, catégorie de pensée, ça c'est extrêmement important. Oui, mais catégorie de langue, catégorie de pensée, d'accord, mais encore faudrait-il que les enseignants là, qui auraient ces classes puissent s'exprimer dans ces langues. Je, je m'explique. Oui. Un bon Wolof euh, du Baol ou du Kayor qui serait instituteur, qui se retrouverait, par exemple, dans le Fouta où on parle Pular. Ou alors est-ce que lui, il devrait intervenir que dans son espace, son territoire euh, Wolof bien circonscrit Donc moi, je, ce que je veux poser là, c'est la question alors de la formation des maîtres en ce moment Tout dans bien. les langues nationales. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, au sein du ministère de l'Éducation nationale, nous avons ce qu'on appelle le modèle harmonisé, euh, donc de, de, de l'enseignement bilingue, avec euh, la direction de l'enseignement élémentaire. Et euh, au cœur euh, de la réflexion euh, aujourd'hui, il y a la question de la formation des enseignants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que dans certaines zones, les enseignants qui enseignaient dans certaines langues, nationales n'étaient pas des locuteurs. Mmh. Et ils font de très bons résultats. Mmh. Euh, C'est quelque chose que nous allons analyser de manière plus fine, mmh. parce que en réalité, si le Djola parle serrer, le serrer parle fula, euh, polar, euh, moi je parle, voilà, mandinka, etc., etc., vous voyez en termes de brassage culturel, ce que ça va donner, en termes de cohésion nationale, etc. C'est intéressant, nous sommes en train de le faire. Tout n'est pas évident, ce n'est pas encore euh, totalement bouclé, mais nous constatons déjà les premiers effets. Je dis bien les premiers Gbis. effets, mais il ne faut pas que cela masque les défis qui sont là et que nous aurons à relever. c'est très clair. Tibi, cette question de l'introduction des langues nationales, surtout dès le préscolaire ou l'élémentaire, c'est un vrai défi. Moi, il me semble que nous devons passer. Euh, D'une euh, école euh, coloniale à mmh. une école sénégalaise. Je dis, nous, en, en réalité, il nous faut une école qui reflète, qui, qui, qui prend en charge notre identité. Excellent. Euh, nous avons une école au Sénégal, il nous faut construire une école sénégalaise. Mmh. Je crois qu'il y a une petite nuance. Mmh. Seigneur, je suis très fatigué. Je suis très fatigué. fatigué. Mmh. J'ai marché depuis le champ du coq et le morne est bien haut bon. <laughs> je vous en prie que je n'y aille plus. plus. Cet fait. enfant là qui prie le matin et qui dit je ne veux plus aller à l'école parce qu'il considère que l'école est éloignée de lui, pas seulement mmh. un éloignement géographique mais un éloignement culturel mmh. parce que évidemment l'école parce que lui il voulait justement écouter des mmh. contes de zemba, c'est ça. Voilà, l'école l'école ne le connecte pas à son environnement. Aujourd'hui, on veut développer par exemple l'entrepreneuriat le travail mmh. des gestionnaires. Mais il faut que l'individu soit connecté à son environnement. Mmh. Et la connexion à l'environnement, la, la langue constitue un élément qui est excessivement important dans cette connexion à l'environnement. Euh, comment le, le, le Wolof dit arbre Il dit garap. Mmh. Comment il dit médicament garap. Il dit aussi garap. Ça veut dire que l'arbre est un médicament. Donc l'arbre soigne. Mmh. Et en vérité, dans nos cosmogonies, dans nos réalités, mmh. l'arbre soigne. soigne. Mmh. Et puisque l'arbre me soigne, en retour, je dois le soigner. Mmh. Voilà le type de rapport horizontal que j'entretiens avec la nature et dont parle Ségor, par exemple dans, dans Liberté 1 et que l'on retrouve chez le révérend Père Placide Temples. Dans mon enfance, où je m'épanouissais dans la connaissance, grâce à ma langue maternelle, l'intuition du français m'est apparue comme la présence d'un gendarme. C'est Kikaya Utamsi qui parle comme ça, c'est un penseur congolais. L'idée est qu'en fait, le, avec ma langue maternelle, je vais directement vers la connaissance. Mais en utilisant une langue d'emprunt, le rapport à la connaissance devient beaucoup plus compliqué. Nous comptons, si vous comptez en Wolof, vous dites ben, n'yar, n'yat, n'yat, grom, et à partir de grom, vous ajoutez. Grom, ben, ben grom, n'yar, grom, n'yat. Ben, ben, ben. Si c'est en français, si vous dites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est à partir de 10 que vous dites, que vous dites 11. 11, 11 c'est 10 plus 1. Oui. 12. Donc, ils ajoutent à partir de 10, c'est la base, c'est 10. 10. En Wolof, la base, c'est 5. Yeah. Alors, vous, c ce problème-là se pose à l'enfant dès le bas âge, quand il s'agit d'apprendre à compter, etc. Donc ce sont ces difficultés qui montrent effectivement qu'il est important de prendre en compte nos langues locales, premièrement. Mais deuxièmement, c'est que derrière ces langues locales, c'est tout un univers, hein, c'est tout un patrimoine. Entre les colonisés, dit Jean-Paul Sartre, le colon s'est arrangé pour être l'éternel médiateur. Et comme les mots sont des idées, quand le nègre déclare en français qu'il rejette la culture française, il prend d'une main ce qu'il rejette de l'autre. Il installe en lui, comme une broyeuse, l'appareil à penser de l'ennemi. Il nous faut maîtriser notre environnement. Il nous faut domestiquer cet environnement. Il nous faut devenir maître et possesseur de notre environnement. Mais pour ce faire, nous devons être connectés à ce milieu. Une langue étrangère, même si elle est vivante, nous éloigne de cet environnement-là et ne nous permet pas toujours d'avoir ce rapport horizontal avec le vivant, de façon générale, avec le vivant. Juste un dernier exemple. Quand, le, quand, quand une femme a fini d'accoucher chez nous. Euh, la formule que l'on dit pour cette femme, c'est mm. que tes genoux ne soient pas euh, endommagés. Et plus tard, elle dira à son enfant que mal mm. ah, c'est comme si avant, les gens se mettaient à genoux pour mettre au monde un enfant. Mm. Et qu'après, on a été mis sur une position couchée. Couché. Mm. Mais je dis, si on n'interroge pas nos langues, ces façons de parler, parce que euh, on n'a pas parlé comme ça certainement dans le vent. Donc ces façons de parler traduisent des pratiques, traduisent des réalités. Le fait d'utiliser une autre langue nous éloigne de ces réalités, nous éloigne de ces pratiques et ne nous permet pas de nous connaître nous-mêmes et de connaître l'environnement et qui développe finalement un complexe par rapport aux autres. yourselves from mental slavery. Nobody but ourselves can free our mind. Bob Marley considère que la servitude la plus dangereuse, c'est la servitude mentale qui consiste à accepter que moi je n'ai rien. Je n'ai aucune identité, je, je n'ai aucune tradition, je n'ai aucun usage, aucune valeur et que je dois exclusivement me référer aux autres. Dans ces conditions, il n'y a pas possibilité de penser le développement. Mm -hmm. Pas de possibilité, Massamba Non, pas de possibilité, parce que l'introduction des langues nationales va régler deux choses. La première, c'est l'introduction de l'incompétence artificielle. Euh, un enfant qui apprend avec sa langue maternelle, qui connaît le nom des oiseaux, de quelques oiseaux, le nom de quelques arbres. Quand on l'amène à l'école ou on l'initie au nom de ses oiseaux et de ses arbres dans une autre langue, parce qu'il est incompétent dans cette langue-là, il va se mettre dans une position d'incompétence sur le nom de ces animaux-là. Alors que cette, cette incompétence est artificielle. L'enfant, normalement, connaît le nom des arbres, connaît le nom des oiseaux. Mais puisqu'il ne sait pas les dire en français, il va avoir le sentiment d'une incompétence, mais elle est artificielle. Donc l'intuition des langues nationales règle cette question-là. et règle aussi la question de ce qu'on appelle les ruptures d'imaginaire. Mmh. La rupture d'imaginaire, c'est ce que, qui avait amené déjà euh, cette, 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 ce projet-là, parce que moi, dans ma thèse, je défends ceci de très clair, que euh, tant que l'incompétence de la famille, est dévoilée par l'école, la fausse incompétence de la famille est dévoilée par l'école, l'enfant aura le sentiment que ses parents ne valent pas grand-chose dans le domaine cognitif. Parce que quand la maman a une, engrangé beaucoup de compétences, mais en langue okay. locale, l'élève sort de l'école avec quelqu'un qui, qui a un regard, qui est le maître, mm -hmm. qui est une référence, qui est la maîtresse. L'élève arrive avec une leçon en français que la maman est incapable de comprendre, donc incapable d'aider son enfant, l'enfant va avoir tendance à penser que sa maman est tout simplement incompétente. Alors que si la, le savoir de la maison va à l'école et revient à la maison, il n'y a pas de rupture de, 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 de représentation chez l'enfant. Il faut comprendre que la langue française a rendu incompétent des gens qui étaient incompétents et à placer dans la conscience de l'enfant que seuls ceux qui parlent cette langue ont le savoir. Donc du coup, si on introduit les langues nationales, on a la possibilité que l'enfant qui quitte la maison puisse être accompagné à la... qui quitte l'école, puisse être accompagné à la maison par la grammaire, par l par etc. Donc je pense que l'impression des langues nationales n'est plus un choix. C'est une obligation. C'est une obligation. On fait le choix de nous développer ou le choix de continuer à piétiner cette opportunité-là. Aujourd'hui, je pense que, et je termine par ça, le, 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 le ministère de l'Éducation nationale, en choisissant des inspecteurs généraux spécialistes des langues nationales, a déjà, je pense, fait un clin d'œil à, à cette option-là. Maintenant, il faut qu'on comprenne que l'introduction des langues nationales, si on ne la prépare pas, va avoir des opposants. Les opposants, c'est ceux qui ne sont pas compétents dans ces langues-là. Ouais. Et c'est bon. pourquoi j'ai dit, on est intellectuel pour qui On est intellectuel pour la communauté internationale, mais on ne peut pas aller dans son futur natal. on ne peut pas aller avec sa langue bouddhique expliquer la thèse qu'on a défendue à l'université. On, on va à l'école pour qui on va à l'école pour qui C'est une très bonne question. En tout cas, la problématique de, de l'introduction des langues nationales est une grosse problématique. Euh, il faudra y aller peut-être à, à petits pas, mais on va y arriver, clairement. Je crois qu'il est possible d'acquérir toutes les connaissances, que ce soit des connaissances de philosophie. Je regarde Madame Sen, euh, donc euh, philosophe sur ce plateau, que ce soit euh, Aminata aussi. Non, je crois toutes les connaissances, mathématiques, sciences physiques, etc. Bien, on, on l'apprend en chinois, non ça doit être bien possible de le faire dans nos langues nationales. Il nous reste très peu de temps. On va utiliser le temps qui nous reste pour parler justement de cette dernière partie, de cette fameuse société éducative dont parle Mustapha Mambagirasi. Est-ce que, Léna, vous pouvez nous dire un peu les grands contours de cette nouveauté, on va dire euh, C'est intéressant ce concept parce que, tout simplement, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans cette émission, euh, on a l'habitude de parler de système éducatif. Et quand on parle système éducatif, on n'entre pas des institutions, des structures. Maintenant, le glissement sémantique, quand on est dans la société, on est dans les communautés, etc. Et chacun, chacune y a sa place. Chacun a la possibilité de s'épanouir. Et Massamba a parlé tantôt de ses compétences de vie courante, etc. Dans la société éducative, si je prends aujourd'hui par exemple euh, cette frange de la population qui ne se retrouvait pas toujours dans l'école, euh, en tout cas dans ce que nous, nous avons pensé, système éducatif, ce sont les Dara aujourd'hui, avec cette montée en puissance. Et donc, euh, la société éducative, c'est véritablement euh, penser que... Donc, chaque citoyen, quelle quel que soit son appartenance sociale, est-ce qu'il est, -ce qu est euh, disons, confessionnellement, est-ce qu'il est chrétien, est-ce qu'il est musulman, euh, est-ce qu'il est encore euh, dans les croyances purement de nos membres, comme on dit, traditionnelles, est-ce qu'il ne croit pas en quelque chose Ce n'est pas ça le débat. Le débat, c'est de comprendre qu'il qu est là, que c'est un citoyen. Et on doit lui offrir la possibilité euh, d'avoir euh, un parcours qui puisse lui permettre euh, de vivre dignement. C'est euh, très euh, important. Oui, tout à fait. Je, je vous remercie, Hélène. Voilà. Euh, Aminata, en, en quelques secondes, parce que là, on me dit que le temps est quasiment épuisé. Cette société de l'éducation ou cette société éducative oui, mais Je voudrais d'abord rebondir. Tout à l'heure, on a parlé de séries littéraires et de séries scientifiques. Préciser que de 2020 à 2023, c'est entre 69% qui sont orientés en séries littéraires et 29-30% en séries scientifiques. Et nous ne devons pas oublier le dessin parental. Si le parent dit que je voudrais que mon enfant reste en série L, il faut qu qu'on le laisse. Sans compter maintenant la mobilité entre les séries. Parce qu'on peut avoir 30% orienté en série scientifique, en seconde, mais en première, pour aller rechercher la mention, on peut changer, aller en L2. Ou, donc ça, c est, c est, ce sont les faits. Pour la société éducative, oui. c'est un beau concept. Je pense que M. le ministre voudrait que partout, qu'il y ait le savoir, qu'il y ait l'apprentissage, aller vers l'apprenance en intégrant les daras en intégrant peut-être les 1,5 million d'enfants qui sont hors système. Parce que l'USAID, comme l'UNICEF, ils ont eu à faire des études. Et sur l'ensemble des académies, il y a à peu près 1,5 million d'enfants. Peut-être que ça, ça a même augmenté, parce que ça ils date de 2017, système. qui sont hors système. Soit ils n'ont jamais fait l'école. Soit ils sont entrés et sortis parce que le taux d'abandon est extrêmement important. Alors on me dit que le temps est épuisé, donc euh, on va retenir que mardi 30 juillet ce sera la cérémonie donc euh, de remise des distinctions du concours général 2024 à 100 lauréats venus des écoles privées et publiques euh, du Sénégal et bravo à l'école publique aussi parce que si je m'en réfère aux quelques stati statistiques que j'ai vues l'école, enfin le secteur public arrivent les, les, les écoles d'enseignement public arrivent finalement en première position donc le temps est épuisé mais je voudrais bien dire aussi qu'il serait bien de revenir à des cérémonies de distribution de prix dans les lycées et collèges qu'on passait d'ailleurs en direct sur la RTS sur Radio Sénégal la nuit et chacun voulait se mettre à côté de sa radio écouter je pense qu'il faudrait revenir à ça et revenir à ce que le président Senghor faisait aussi il recevait au moins les meilleurs élèves des écoles primaires de Dakar deux fois dans l'année, c'était à Noël et à Pâques. Merci donc d'avoir suivi. Je vous remercie, mes invités, Léna, Monsieur Gay, Yubi et Aminata. Merci d'avoir été là. Rendez-vous donc ce sera en direct sur la RTS, bien entendu. La cérémonie solennelle de remise des prix du concours général 2024.